Yo les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de LSPDFR, j'espère que ça va pour vous. Moi je suis très content aujourd'hui parce que je suis accompagné dans mes patrouilles. Et oui les amis, et non ce n'est pas quelqu'un de masculin, ce n'est pas un homme. Non c'est un chien les amis. Et là si vous le voyez, il est juste derrière moi le petit. Comment tu vas mon petit Starsky? Oui alors, avec un mod sur LSPDFR on peut avoir un chien. Et moi du coup bah, je l'ai nommé Starsky. Je l'ai mis en Rottweiler parce que vous pouvez choisir la race du chien, si c'est un husky, si c'est un berger, enfin, vous pouvez vraiment prendre tout ce que vous voulez, les amis. Moi, j'ai pris en Rottweiler parce que je trouvais ça vraiment sympa et classe pour un policier, en fait, surtout aux États-Unis. Et donc, du coup, on va prendre notre petit Starsky avec nous. On va lui demander de monter. Ah, can't enter in the vehicle. Ok, donc il peut pas rentrer dans le véhicule. Bon, c'est pas grave, les amis, on va patrouiller avec un autre véhicule dans ce cas-là. Oh là là, mais on a que des véhicules de merde. On a que des véhicules de patrouille merdique. Bon bah c'est pas grave hein. Tiens, moi qui voulais faire avec avec la belle voiture, bah fait chier quoi. Et là vous voyez, donc du coup on lui a ouvert la porte et il monte, tout simplement. Et je trouve ça trop marrant en fait qu'il puisse monter et tout. Bon bah c'est pas grave, aujourd'hui patrouille en Crown Victoria les amis. Et on va attendre du coup des petites interventions qu'on va pouvoir faire avec lui-même. Et il est super utile. Tout simplement parce que vous pouvez avec lui, ben, je sais pas, par exemple, vous courez après quelqu'un à pied. Le mec, ben voilà, il vous distance, vous courez à peu près à la même vitesse. Vous pouvez envoyer Chop, enfin Starsky, et du coup, il court directement sur lui, il le chope, il le mord, et en fait, il le neutralise pour que vous puissiez lui mettre les menottes. Enfin, c'est énormissime, les amis. Franchement, c'est un truc que j'adore vraiment. Alors, ah, véhicule volé. Ben écoutez, oui, on accepte, véhicule volé. Alors, c'est une Graphite Adder avec la plaque 25DP. Graphique Adder. Putain, la Adder. Alors, faut se souvenir, en fait, gravement des voitures, quoi. Parce qu'une Adder... Ah, bah, c'est celle-là. Hop, hop, hop. C'est celle-là. Ah ouais, là, par contre... Hop, 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 hop. Ok. On va appeler une patrouille locale, hein. Une Adder, ça va un peu plus vite que nous, en fait, hein. Oh, putain. Oh, pff, bah, alors, lui... Ah bah alors lui c'est le plus malin des collègues. Allez hop, arrête-toi. Ok. Allez, petite intervention, déjà easy. Ok, bouge de la voiture. Bouge de la voiture. Bouge de la voiture. Oh wow wow. Ok, j'ai cru que c'était une femme au début. Allez, mets-toi au sol. Allez, les menottes. Délit de fuite. Ça va pas se passer comme ça mon gars. Y'a rien à voir, monsieur dame, allez, circulez s'il vous plaît. Allez, mettez-vous sur le côté avec moi, monsieur. Ok, on appelle une patrouille pour venir le chercher. Waouh, il avait volé une belle bagnole quand même, hein. Bon, le propriétaire, il va être content de la retrouver parce qu'elle est complètement explosée. Il va être super content. Ah, fait chier, quoi. Oh là là, une si belle voiture, franchement, ça fait mal au cœur, les amis. Une si belle voiture. You want to... No, ho ho. Bon bah écoutez, je vous laisse mes collègues, je vous laisse régler ça. Moi je repars en patrouille. Ok. Bon, on a déjà un peu abîmé le véhicule du coup bah, pour ses débuts. Ça va commencer bien si on a un véhicule pourri. Oh, oh un assaut. What the fuck. Bien sûr qu'on prend. Wow, 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 un assaut carrément. Oula, alors là ça va mitrailler les amis. Là ça va mitrailler, pareil le chien je vais le laisser dans la voiture. Pour les interventions à risque comme ça. Wow 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 wow. C'est là là, là-bas là. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ok. Je prends juste mon gun. Assaut. Alors attendez les amis. Ah je croyais que c'était un assaut moi avec des armes et tout alors. Attendez, on va prendre le chien. Je vais prendre des munitions, des armes et tout dans le coffre de la voiture. Oh, mais t'es sérieuse toi? Alors bonjour messieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? She's making the wall sing. De quoi? Elle fait de la merde. Guide doesn't give her any attention. She's crying up. Ah, elle a crié au viol. Ok. Peut-être qu'elle dit la vérité. Mais elle ne semble pas être un génie. Ok. I don't know something just seem of me. Ok. That seem coming back to the scene.
I will give you a statement if you want. D'accord. Alors, elle a crié au viol sur le mec qui est là-bas, apparemment. Donc lui, ça serait le mec qui aurait défendu la victime. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, là-bas, là? Elle essaie de voler mon véhicule, je rêve. Officiante, merci d'être là. Alors, le mec, juste là-bas, il a marché dans la rue et il a demandé de quoi? Ah, I love you. Il a commencé à lui dire, je t'aime. C'était vraiment dégueulasse. Ok. Oh, il l'a frappé. Il l'a traité de salope et il a dit que j'étais folle. Il a dit qu'il voulait me violer. Super. This nigger, excuse me and chase me off. He was seriously. I want to arrest him. You look a nice guy. Can you help a girl out? Please. Ok, je vais aller voir ce que le monsieur a à dire là-bas. Bon, je pense pas que l'arme d'assaut du coup soit nécessaire. Oh putain, oui, toi t'as une tête de violeur, toi. Ouh là là, t'as une tête de violeur. Alors écoute, qu'est-ce qu'il y a, mec? Est-ce que je peux partir, officier? Mais quand j'ai vu, I had to come back. Ah, quand il nous a vu arriver, il est revenu. Alors il a rien à cacher, apparemment. Je suis revenu pour parler avec vous personnellement. Je voulais juste que vous ayez la vérité. Et vérité, il l'a mis en majuscule. Alors, she can't make stuff up. She was screaming. Oh, ok, elle a un couteau. You can check me, I don't have any weapon. Ah, mais elle t'accuse pas d'avoir des armes en fait. Elle t'accuse pas d'avoir des armes. Bon, les amis. Écoutez. Ah, dans le bénéfice du doute, qu'est-ce qu'il avait à nous dire, lui, déjà? Bon, on bloque toute la circulation avec ces conneries, hein, aussi. Hein. Ok. Guys, doesn't give her any attention. Ok, je pense que le mec est innocent. Ok, je pense que le mec est innocent. Bah, écoutez, contrôle Y. Voilà. On dit à tout le monde de partir. Je pense que c'était une fausse alerte. Clairement, je pense que c'était une fausse alerte. Ouais, bon, son histoire tenait pas trop debout. C'est pour ça qu'on l'a laissé partir, hein, clairement. Ah oui, ah, un autre truc que je vais vous montrer, les amis. J'ai téléchargé un add-on qui est vraiment sympa. En fait, vous pouvez avoir une lumière de police. Regardez ça. J'ai un spot de police et je trouve ça tellement classe la nuit quand vous patrouillez et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, petit spot de police que j'ai rajouté. J'ai rajouté aussi la donne que vous avez vue où je suis allé dans mon coffre pour prendre de l'armure, de la vie et des armes. Je trouvais ça aussi extra. Et du coup, on va attendre notre prochain appel. Ok, sun is clear. I'm 10-8. Donc là, normalement, c'est bon. On devrait recevoir de nouveaux dispatchs. Oh, arrest warrant. Écoutez, on prend l'affaire. On prend l'affaire. Allez, on accepte. Waouh, 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 waouh. Vous pouvez vous bouger là, s'il vous plaît? Ok. Alors, en plus, c'était juste à côté, putain. Arrest warrant. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Wouhouhou, qu'est-ce que tu fais, toi? Police, arrête-toi. Ok. Regardez, je vais vous montrer comment fonctionne Chop, du coup. Alors, Starsky. Starsky, viens avec moi. Starsky, go. Starsky, chope-le. Voilà, donc là, il lui dit de le choper. Et là, normalement, Starsky doit courir comme un malade mental. Allez, Starsky, chope. Chope, chope, chope. Mais putain, chope-le. Putain. On se retrouve à faire une patrouille à pied. Wow, wow, wow. Allez, attaque. Attaque, attaque. Starsky, attaque. Oh putain, Starsky, il a pas envie d'attaquer aujourd'hui. Hein. Eh, mais Starsky, mais tu te fous de ma gueule. Watch out. Starsky. Starsky. Oh oui, Starsky, tu vas bien. Viens avec moi, Starsky. Viens. Viens, mon chien. Oh putain, mais quelle merde. Où il va, mon chien? Starsky. Mais où il va? Oh là là, les amis. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé, mais... What the fuck. Ok, on va pouvoir le taser. Oh merde. Wow, 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 wow. J'avais pris le taser. J'avais pris le taser. Excuse-moi, mec. Oh putain. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Ah ouais, merde. Oh, j'ai tiré dans le cul.
Ah bon, la balle est ressortie, regardez, la balle est ressortie. Merde, la bavure de merde. Suspect non armé, moi je lui tire dessus et tout. Oh non, mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que j'ai fait ça? Ah, je suis deg. Je suis deg, les amis. Bon, allez, on appelle une patrouille pour venir le chercher. Par contre, Starsky, où t'es? Eh non, mais depuis qu'il s'est fait renverser, c'est pas lui là-bas, là, j'espère. Non, mais ne me dites pas qu'il s'est refait écraser. Ok, prenez ce suspect officier. Il était recherché. Ok, bonne journée, collègue. Non, Starsky. Starsky, ce n'est pas toi. Mon petit Starsky. Oh non! Mon petit Starsky! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là. Ah, je suis choqué! Bon, ben les amis, du coup, je vais reprendre mon véhicule. Waouh! Et ben du coup, je vais rechercher un chien. Voilà, on aura Starsky numéro 2, hein, parce qu'on a plusieurs chiens dans la police. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ok, bouge pas, bouge pas! Pourquoi t'essaies de voler mon véhicule, toi? Pourquoi t'essaies de voler mon véhicule? T'as un problème? Mais monsieur, il bloquait la circulation! Ouais, bah tu iras dire ça en déposition. Allez, hop! Embarqué, toi aussi. Oh, déjà que mon chien est mort, tu vas pas me casser les couilles. Ah non, je suis deg! Mon pauvre Starsky est mort, quoi! Oh, les amis, je suis vraiment deg. Bon, écoutez, c'est pas grave, on retourne au Comico et je vous fais la petite ellipse. Du coup, on a récupéré le chien, les amis. Ne vous demandez absolument pas ce qui s'est passé devant le commissariat. Je n'en sais moi-même rien du tout. Il y a, bon, il y a les pompiers qui arrivent, en tout cas, c'est déjà ça. Et on va prendre un nouveau véhicule. Voilà, pour que notre petit Starsky numéro 2 puisse monter. Oh là là, mais c'est chaud quand même, hein. Devant le Comico, tu sais, t'as une voiture de police qui a explosé. Ça va, on n'est pas trop en alerte terroriste maximale, quoi. Bon, là, du coup, c'est assez cool. Petite patrouille de nuit. Les amis, on va aller patrouiller dans les quartiers un peu chauds. Si vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, ben, on va avoir pas mal de racailles, de trucs avec des armes. Ça risque d'être vraiment top. Donc, du coup, on attend. Oula. Oh, bah, attendez, je vais faire genre je rejoins sa poursuite. Voilà, je vais faire genre je rejoins la poursuite. Comme ça, on peut bouger plus rapidement. Wouh! Prison Escape? Ah, attendez, c'est où ça? Ah! On a un mec qui s'est évadé de prison. Bon, écoutez, on fera ces patrouilles-là quand on sera un peu plus dans le désert. Là, c'est vrai que, bon, Prison Escape, ça nous concerne pas tellement. Nous, comme je vous ai dit, on va aller dans les quartiers un peu chauds de Los Santos. Parce que je pense qu'il y a, matière à faire juste là-bas. Ça risque d'être sympa. Putain, je préfère y aller avec les gyrophares quand même, hein. Putain, c'est ah, c'est beaucoup plus rapide, regardez. Hop. Voilà. Bon, vous savez, même la police dans les bouchons et tout, des fois utilise les gyrophares pour aller plus vite. Et je les comprends parce que c'est super chiant. Mais voilà, normalement ça doit rester à motif d'urgence. Et voilà, donc là on est un peu dans les quartiers mal fréquentés, on va dire. On est un peu dans les quartiers chauds. Et ça va être top pour faire nos petites interventions. D'ailleurs, j'avais même plus de feu. Tout va bien. J'avais même plus de feu. Et là, on doit avoir des bons petits trucs. Oh, gang! Bah, ça commence! Nice! Nice, nice, nice. Ok, un gang apparemment qui est violent. Et j'étais sûr qu'en venant dans ces quartiers-là. Watch! Ah, putain, vous êtes malade, vous. Oula, ils sont beaucoup, non? Ah, ouais, carrément! Il y a un hélico et tout! D'accord. Ah ah ah. Ah ouais, d'accord. Oh putain, oh putain, oh putain. Ok. Ok. Chop, viens, viens. Chop. Chop, viens. Ok, ok, on le fait sortir pour pas qu'il se fasse buter. Ok. Putain, 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 y a... Ah ouais, mais il y a plein de civils qui passent là. Il y a plein de civils qui passent. Ok, ok. Putain, heureusement que j'avais pris cette, cette arme d'assaut. Hein. Ok, ok. Oh, il y a même des gens des quartiers qui... Oh, qui se mettent avec nous. Trop classe. Oh, trop classe.
Oh là là, ça se trouve c'était le gang adverse. Non mais ils ont pas tué mon chien quand même. Mon chien, t'es où? Mon chien? Putain, je crois qu'ils ont abattu mon chien, ces gros bâtards. Oh, oh là là. Mais ouais, ils l'ont abattu. Putain, j'en ai marre. Ah, mon chien est encore abattu, quoi. Merde. Putain, mais c'est vraiment des chiens, ces gars-là. Eux, c'est des chiens, des vrais. Bon, allez, on appelle le... On appelle le central pour envoyer du coup la morgue. Parce que bon, ces gens-là, faut bien qu'ils soient examinés et tout ça. Donc, hop. Et puis, c'est parti. Allez, venez choper tous les cadavres. Parce que là, il y en a des cadavres. Putain, tout le sang qu'il y a et tout. Ah, mais limite, dans ces quartiers-là, faudrait rester, les amis, avec l'arme d'assaut. Parce que c'est un truc de ouf, quoi. Bon, je vais aller chercher notre chien ou pas? Comment ça se passe? On va aller chercher notre chien, je pense. Mon Dieu. J'en ai marre d'aller chercher des chiens. Voilà, on est retourné en patrouille de quartier, du coup, dans les quartiers chauds. Et alors là, regardez. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Vous allumez votre spot. Et là, regardez. La surveillance de quartier, quoi. Vous trouvez pas que c'est trop classe, quand même? Hop, petite surveillance et tout. Enfin, je trouve ça trop sympa, moi. Alors, ok, on a tout. Encore des individus armés exactement où on s'est fait niquer tout à l'heure. Oh là là. En espérant qu'ils butent pas mon chien parce que je commence à en avoir marre de prendre un chien. Ah! Ouh, avec arme lourde. Arme lourde, alors attention. Ah oui! Ouhouhou. Ok. Ok, bon, il s'est pas tiré avec. Ok. Est-ce que... Vas-y, chope-le! Attaque, attaque! Chope, attaque! Vas-y, attaque! Oh putain, putain, merde, 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 merde! Ok, il l'a chopé! Ok, il l'a chopé! Il l'a chopé, il l'a chopé! Oh, chope, t'es un monstre! Chope, t'es un monstre! Oh là là! Nice. Bon, bah écoutez. Alors, oh putain, toi tu vas prendre cher au tribunal à mon avis. Heureusement que j'avais mon gilet pare-balles parce que... Wow, wow, qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Wow, wow, qu'est-ce qu'il fait lui? Chope-le. Chope-le, chope-le. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, deuxième arrestation. Ok. Hop. Ah, il le désarme et tout en plus. Oh, c'est vraiment super classe, quoi. Oh, c'est vraiment super classe. Allez, toi aussi au sol. Espèce de merde. Non, mais d'où tu te permets de tirer sur mes suspects, toi? Allez, hop. Toi aussi, tu vas être embarqué, tu vas comprendre. Allez. Du coup, multitransport. Hop. Les deux, ils ont pas commis le même crime. Quoi qu'ils sont tous les deux armés. Ah non, mais franchement... Oh, c'est vraiment les quartiers chauds ici, hein. Vous trouvez pas? C'est énorme. Oh, dans le ghetto, comment ça gère? Ah, du coup, alors, attendez, je peux prendre ma lampe torche quand c'est comme ça dans la nuit. Pour essayer de voir un peu. Et surtout de faire fuir un peu les suspects. D'ailleurs, c'est dommage qu'il la tienne comme ça, la lampe torche. J'aurais aimé, vous savez, qu'il la tienne au-dessus de la tête et tout, mais... bon, bah du coup, voilà, quoi. Il la tient un peu comme... Bouge de là. Allez, embarque-moi ces sous-merdes là. Tu vas où toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Eh, eh, eh! Fais gaffe, j'ai la main sur mon arme. Ça aussi c'est trop classe, la sommation, vous voyez. Genre avoir la main comme ça sur le flingue, c'est super réaliste. Ok, merci collègue. Bonne journée. Hop. Ouais, tu peux te calmer, mon collègue, s'il te plaît? Parce que déjà que le véhicule, il est abîmé et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, si tu me le chies encore plus... Oh putain, mais regardez, mon pare-choc se barre et tout, quoi. La police la plus pauvre de Los Angeles, c'est moi, quoi. Allez, hop. On va bouger un peu ici. C'est quoi ce haricot de merde ici, là? Et du coup, on va attendre d'autres interventions, les amis. En tout cas, j'espère que vous kiffez pour l'instant les interventions. Moi, je m'éclate comme un fou. Oh, disturbance reported. Bah écoutez, vas-y, on accepte, hein.
Hop, hop, hop. Alors là, on a deux suspects. On a un suspect noir et un suspect blanc. J'adore quand ils précisent des trucs comme ça. Tu sais, t'as une baston. Ok. Give me a reason to hurt you, scum. What the fuck's up with you? I'm a businessman. You don't walk away after damaging my vehicle. Yo, chill, dog. No, no way. I haven't lived this long by being a loser. Okay, don't okay. Even fucking look at me. You're fucking crazy. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Sorry piece of shit. Police, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors F6 pour parler au suspect. Donc, on va lui parler. Alors, contrôle F6, j'ai bien compris. Et on va faire du coup audio menu. Et on va lui demander, voilà. Donc, ils disent qu'ils sont juste en train de parler. Ah, ok, mais tu t'en vas. Ok, ok, bouge pas, bouge pas. Chop, attaque. Putain. Chop, attaque. Chop, attaque. Ok, ok, oh, oh. Arrête-toi, arrête-toi. Putain, mais Chop, en fait, il décide d'attaquer une fois sur deux. Starsky, enfin, voilà, on s'en bat les couilles de son nom. Il attaque une fois sur deux. C'est un truc de malade, hein. Ok, bah, du coup, on prend. Allez, hop, prends-le, là. Wouhou. Oh, putain, lui, c'est un bon, lui. Sur qui il tire, l'autre? Écoutez... what? Vous arrêtez pour qui, là? Pour lui aussi, là? Il a rien fait, ce pauvre homme. Pop, 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 il a rien fait, lui. Attendez, je vais lui parler, mais je pense qu'il a rien fait. Bah, tirez pas dessus, les gars, hein. Pitié. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est... On a fini l'appel comme ça. Bon, le mec, il s'est enfui. Je pense que c'était lui qui était vraiment en tort, hein. Oh là là, on a vraiment la voiture du ghetto. Regardez ça, les amis. Si on n'a pas la voiture du ghetto. Criblé de balles et tout. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est... On a vraiment une voiture gangsta. Gangsta ghetto. Tout défoncé. Alors, on avait un truc de gang. On va pas y retourner. On a déjà fait l'intervention tout à l'heure. On va terminer sur une dernière petite intervention. Bomb Squad. Non, ça, c'est un peu pour... pour le SWAT, je laisse ça au SWAT, clairement. Les bombes squad, moi, c'est pas trop mon truc. Allez, dis-moi qu'on a d'autres interventions. Motor véhicule accident. Ouais, on n'est pas pour la circulation. Enfin, moi, je suis plus pour, du coup, être sur des interventions armées, des interventions à pied, tout ça, parce que du coup, bah, j'ai le chien qui m'aide. Ou de drogue, même, ou de drogue. Mais là, clairement, non, ça n'a aucun intérêt... tout le reste, hein. Traffic stop, backup. Bah écoutez, ça peut être intéressant. Donc là, en fait, on va assister un officier de police qui a arrêté quelqu'un, mais qui n'ose pas y aller seul parce que le suspect est dangereux ou le suspect est suspect, hein. Voilà, on peut le dire directement. Mais ok, on va aller l'assister. Donc c'est pas trop loin. Mesdames et messieurs, écartez-vous s'il vous plaît. Police de Los Santos. Wouhouhou. Eh, on s'améliore en conduite, franchement. On s'améliore, c'est vrai qu'on a rarement des accidents, quoi. Bon, surtout là avec le chien, j'ai pas peur d'aller sur le backup. C'est vrai que quand on est tout seul comme agent de police et tout, ça fait un peu flipper, mais là du coup oh, en plus avec une petite moto. Ok. Ah, brigade en plus. Ah, voiture banalisée et tout, sympa. Alors salut, qu'est-ce qui se passe? Alors, le véhicule juste devant n'a pas d'assurance. Je vais lui mettre un ticket, donc une amende. Est-ce que vous pouvez rester à côté, s'il vous plaît? Oui, bah, sans problème. Écoute, je vais même mettre la main sur mon gun. Et si le mec fait de la merde, je peux te dire que ça va vite bouger. Ok, bon, c'est bon. Le mec se barre. Ok, ok, on a un problème. Vas-y, pousse-toi. Ok. Suspect qui prend la fuite. Bah, bah forcément il a pas d'assurance, le mec. Bon, par contre il est en moto, donc c'est vraiment con de prendre la fuite à moto. C'est un coup à se péter la gueule et crever, ça, hein. Allez hop, on le prend en chasse. On a notre autre collègue, donc je pense pas qu'on prenne Ok, arrête-toi. Arrête-toi. Putain, tu veux mourir ou quoi?
putain, on peut rien faire avec des gens comme ça, c'est chiant quoi. Le truc à espérer c'est qu'ils se pètent la gueule, mais bon. Je peux pas trop. J'ai pas envie de le tuer en fait. Clairement, j'ai pas envie de le tuer. Enfin, il était pas armé ou quoi. Ok. Ok, vas-y, on prend. Ok. Descends ta moto. Descends ta moto. Descends ta moto. Bouge pas. Au sol. Au sol. Parfait, tu restes là. Bien. Allez hop. En état d'arrestation. Délit de fuite, mon gars. Ça va te faire du bien d'aller en tôle, toi. Hop. Allez. Bah bien sûr qu'il est under arrest, ce con-là, là. Putain, en plus, t'as une belle moto, mon gars. Toi, t'es con, hein. Putain, la moto, elle est vraiment sympa, quoi. Un petit chopper comme ça. Allez, notre collègue le prend en charge. Comme ça, au moins, on est OP. Ok, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Ah oui, d'accord. Oh oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, ce mode n'est pas du tout bugué, les amis. C'est vraiment un mode qui est parfait, y a aucun bug. Oh putain, merde, ma voiture, quoi. Déjà qu'on a la voiture du ghetto, c'est pas possible, ça. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite patrouille avec le chien. Si vous voulez une autre patrouille avec le chien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir, parce que c'est vrai qu'on l'a pas énormément utilisé. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros like, les amis, et à me dire en commentaire ce que vous voulez pour le prochain épisode. Et puis moi, je vous dis à tout ciao pour une nouvelle vidéo. Salut.